Un vibrant hommage a été rendu ce vendredi aux Invalides au général Jean-Louis Georgelin, responsable du chantier de restauration de Notre-Dame. Brigitte Macron, très élégante comme à son habitude, s'est montrée très digne aux côtés d'Emmanuel Macron. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, vient de déclarer Emmanuel Macron. Le président de la République a rendu un vibrant hommage au général Jean-Louis Georgelin, le responsable du chantier de restauration de Notre-Dame, mort accidentellement en montagne, lors d'une cérémonie organisée en sa mémoire ce vendredi 25 août aux Invalides à Paris. Bourreau de travail, meneur d'hommes, serviteur exemplaire. Il s'est montré très élogieux à son égard. Le 8 décembre 2024, nous retrouverons Notre-Dame. Vous serez là mon général, nous penserons à vous, je penserai à vous, a-t-il également ajouté aux côtés de son épouse Brigitte, très élégante dans une veste noire assortie à son pantalon, ses talons ainsi qu'à son sac à main. Et de conclure, dans le carillon, à travers les coups de l'Angélus perçant le son des cloches de Notre-Dame de Paris, toute la nation vous entendra encore. Nous entendrons votre voix rire, gronder, déclamer. Voix patriote, voix de la France, cantique des cantiques. Alors nous pourrons vous dire merci. Adieu mon général. Pour rappel, si est-il lui qui avait désigné le général Georgelin comme responsable du chantier après l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2019. Sa réouverture est prévue pour 2024. Et se fera donc hélas sans cet homme, décédé le 18 août dernier à l'âge de 74 ans lors d'une sortie en montagne en Ariège. Cet ancien élève de Saint-Cyr, chef de l'état-major particulier du président Jacques Chirac en 2002, avait été promu général d'armée en 2003. Bernard Arnault et François Pinault, présents chefs d'état-major des armées françaises, CEMA, de 2006 à 2010, il avait supervisé les opérations en Côte d'Ivoire, Afghanistan, dans les Balkans ou au Liban. Originaire d'Aspet, Haute-Garonne, ce général 5 étoiles célibataire, né le 30 août 1948, était cultivé, peu mondain, sobre, et avait une foi catholique aussi ancrée que discrète, selon ses proches. Ses funérailles seront célébrées le 31 août dans son village natal d'Aspet, en Haute-Garonne. À noter que la première ministre Elisabeth Borne et de nombreux membres du gouvernement se sont également rendus aux Invalides ce vendredi pour assister à cet hommage national. Tout comme Bernard Arnault, qui a fait un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction de l'édifice, et deux de ses enfants, Antoine et Frédéric. François Pinault et son fils François-Henri, qui quant à eux ont donné 100 millions d'euros, étaient eux aussi présents.